Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon sixième partie de ma collection de livres. Avant de commencer, j'aimerais dire que je sais j'en ai qui sont pas coloriés dedans. Mais éventuellement, il va se faire. Le temps me manque. Aussi, j'aimerais dire, s'il n'y a pas une présentation d'un livre sur ma chaîne, puis tu aimerais le voir, une présentation complète, n'hésite pas à me le demander. Ça me ferait plaisir de le faire. T'as juste à soit m'envoyer par email à mtmioutlook.fr ou sur Instagram à iceangel1978. Et la même chose, si tu as un livre que tu aimerais faire un duo dedans, n'hésite pas à me contacter, même si tu es quelqu'un qui colore là, ça me dérange pas. Le seul chose que je demande au monde de faire des duos avec, c'est que ils comprennent que moi, à la fin du mois, je fais une vidéo de tous les colos que j'ai terminés dans ce mois-là. Fait que si j'ai terminé, j'aimerais le montrer dans ce mois-là. Mais je ne le mettrai pas sur mes réseaux sociaux, comme Instagram, exemple, tant que vous n'êtes pas prêts. Ou si tu aimes mieux pas le mettre sur des réseaux sociaux, c'est pas grave, mais moi, je vais le mettre pareil dans la vidéo, ma version. Fait qu'avec ça, on y va. J'ai le Nightfall Coloring Book de Maria Trolley. Puis j'en ai fait quand même pas mal parce que je suivais le fil rouge de Quet Quet. Fait que j'ai fait ces deux-là. C'est un vieux duo qu'on n'en fait pas. J'avais oublié qu'on l'avait. J'ai fait ces deux-là. J'adore faire les tournesols. Faut que les titurer, c'est un vrai parti de plaisir pour moi. Ensuite, les jonquilles puis la minou. Ensuite, ces deux-là. J'ai essayé de le rattraper, mais elle a arrêté de le faire. Fait que j'ai beaucoup avancé, puis j'ai comme mis de côté le livre. J'ai pas tendance d'aller dans les marées à troller, si je suis honnête. Celle-là, je suis très fière d'eux. Je l'aime beaucoup. Je vais le mignon. Ça, c'était en duo, je pense, avec José Colorier. J'ai toujours mes heures avec l'effet poêle. Puis, ça, c'était un en cours que j'ai jamais terminé. Et à partir d'ici, c'est tout complété page après page. Fait que j'ai fait celui-là, puis lui. J'aime pas le fond, mais j'aime la petite fille puis la fleur. Ensuite, j'ai fait cette double page-là. Ces deux pages-là. Ces deux-là. Voilà, encore deux autres. Cette double page-là, que j'ai adoré faire. Ensuite, ces deux. Et voilà, j'ai fait lui aussi. Et c'est tout, je pense pas que j'ai fait, c'est ça. Ça, c'était tout ce que j'ai fait dans le Nightfall de Maria Trolley. Je pense qu'il y a Ophélie, excuse-moi si je te massacre ton nom, couleur qui en fait un nouveau fil rouge avec Nightfall. Elle vient juste de commencer. Fait que si vous autres, tu l'as puis t'as manqué sur de Quit Quit puis t'as envie de continuer, je te suggère d'essayer de trouver son chaîne YouTube. Ensuite, il y a le Fleuret de Maria Trolley. J'aime pas ce livre-là. Fait que tu vas voir, j'ai full de pages de test. C'est une de mes moins aimées. Mais c'est la moins aimée. Ça, ils vont commencer à faire fort de bruit, là. J'essayais de faire des effets vieillis avant que je trouve la façon que je l'ai montré dans le tuto. J'ai fait celui-là. C'est un challenge de néon.
Excuse-moi pour le bruit du camion dehors. J'ai toutes mes fenêtres fermées. Je vais les ouvrir tantôt, mais je peux rien pour le bruit pour le moment. Celle-là, c'était pour tester mes Intense. J'avais encore du stock à prendre. Ici, je l'ai fini. C'était un duo avec Serum 70, je pense. Mon mari l'appelle mon lapin toutou. Il trouve que ça ressemble à un animal en peluche. Un autre test, effet vieilli, trop pâle, qui n'a pas marché. J'ai fait celle-là. Et j'ai fait celle-là. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'était la fleurette de Maria Trolley. C'est pas un artiste que j'adore, mettons. Elle est super belle, mais c'est pas mon préféré. Je n'ai pas tendance à y aller, à moins que c'est pour des duos. Dans Twilight Garden de Maria Trolley, j'en ai fait quelques-uns. Celui-là. Si je m'abuse pas, c'est un trio avec Serum 70 puis José Colorier. J'aime le résultat. Ça aussi, il me semble que c'était un trio avec Serum puis José encore. Je l'aime. C'était la première image que je voulais faire dans celle-là, mais je pense pas que c'est le premier qu'on a fait, mais c'était mon préféré dans le livre, je pense, dans le temps. Il y a celle-là qu'on a faite. Je sais pas si c'était un trio, juste moi qui l'a faite, ou un duo. Ça, c'est pour un challenge de la DIC 66. C'était pour faire des boules, comme des ronds en verre. Je suis content avec le résultat. Je trouve que ça a bien marché. C'est le lapin là. Ça, je me souviens, mais ça me c'était un trio aussi, celle-là. Je l'aime. Et j'ai lui que je déteste la forme. J'ai essayé de l'améliorer le mieux que je peux faire. Mais sinon, c'est correct aussi. On ne peut pas toujours avoir les plus beaux images. Fait que ça, c'était Twilight Garden de Maria Trolley. Ou Maria Troll. Dans le Luna de Maria Troll, toujours, j'ai deux. Les deux, c'était des duos. Je t'ai dit, c'est pas mon fort, Célie. Fait que j'ai fait celle-là avec Lucy Just Adds Color. Un chêne anglais. Merci encore pour ce duo-là. J'ai adoré faire ça. Et j'ai celle-là que j'ai faite avec Serum 70. Puis je l'aime. Et c'est tout ce que j'ai fait. La livre est indemne à part ça. Et c'est pour ça que j'ai pas acheté son dernier. Même si j'y pense, pareil, pour avoir la collection. Dans le Botanicum, ça c'est un cadeau d'anniversaire d'un ami. Et j'ai trois de fête. Celui-là que j'ai fait en aquarelle, mes crayons aquarellables, puis j'adore le résultat. J'ai fait celui-là. Ça, c'était un duo avec un ami sur Facebook. J'adore le mélange de mauve et jaune, donc je suis très contente avec celle-là. Et j'ai fait celle-là qui était un duo aussi avec la personne qui me l'a donné, le livre. Fait que je vais aller chercher d'autres livres. Ça va pas long. Là, on va continuer. Un instant. Là, on va continuer avec les Hannah Carlson. Je pense que je vais finir ma collection aujourd'hui. Fait que j'espère que cette vidéo-là soit un petit peu long. Fait que ça, c'est Tales from the Midnight Masquerade de Hannah Carlson. Et c'est mon premier livre d'elle. Suggéré par Serum 70. Merci encore pour la suggestion. j'ai fait celle-là. J'avais demandé sur Facebook si je voulais commencer, laquelle prendre, puis ils m'ont suggéré Seasons ou Midnight Masquerade. Puis vu que j'aime colorier des bonbons, j'ai choisi celle-là. Mais Seasons n'a pas tardé longtemps après. fait que ça, je l'avais faite. Je suis contente. J'aime bien l'effet du poil. Le petit bleu que j'avais mis.
ma vampiresse, que j'adore. Même si le chat a l'air d'un chat loup, j'adore ça. Ensuite, ça c'était fait en trio avec CRM puis José, puis j'ai décidé de faire le minou à côté. Ou c'était vice versa. Parce qu'une de ça c'était un trio, je me souviens pas laquelle. Il me semble que c'est celle-là. Puis j'ai décidé de faire une duo page. Une double page, je veux dire, pour une duo page. Celle-là, je les ai faites. J'avais une idée dans la tête, puis je suis content avec le résultat. C'est juste ça, c'est le meilleur effet vieilli. J'arrivais à faire dans le temps. J'avais pas mis des angles de stress. Cette valeur, j'aurais aimé ça d'être capable de le faire comme aujourd'hui. Mais moi, je suis pas genre à refaire des colos. Fait que, à moins vraiment, vraiment, j'ai plus rien à colorier qui risque de pas être le chat. Cas, pas le chat. Fait que, on verra avec le temps si je vais le racheter pour le refaire juste celle-là ou racheter un PDF si ça existe. J'ai fait ce chariot-là de bonbon, puis je suis très content. Puis j'ai gardé les couleurs pour être capable de poursuivre à côté. Ensuite, j'ai fait celle-là. Mais ces deux-là. Et je pense que j'ai fait celle-là. Et celui-là. Puis ça, c'est tout pour le Midnight, Tales from the Midnight Masquerade de Hannah Carlson. Ensuite, j'ai le... J'ai le Tales from the Witch's Cottage de Hannah Carlson. J'ai pas acheté son nouveau. Je suis mitigée si je veux le faire. Je suis partagée si je veux l'acheter ou non. J'ai pas de doute. Plus tard, ça va arriver. Parce que j'aimerais avoir sa collection vu que je l'adore. Celle-là, je l'ai faite en trio avec CRM 70 puis José Colorier. Puis j'aime bien. C'est fait avec des Black Widow. Parce que j'aimerais avoir toute sa collection, c'est une de mes artistes préférées, fait que je vais probablement acheter ça. Même si j'ai pas son affaire caractère et tout. Ça, ce colo-là, je veux le faire, mais j'attends que je peux les rendre justice à les minots parce que il me fait penser à mes deux minots qui sont partis. Ça, j'ai fait celui-là. Ça aussi, c'est mon shadow puis mon pepper. J'ai fait ces fleurs-là. Il me fait penser des petites fleurs. Quand je vivais en Gaspésie, on allait dans les champs, puis on prenait ces fleurs-là. Puis, on ôtait les bouts, puis on tâtait après, ça goûtait la miel. Puis on aimait ça. Il y a celle-là, j'ai essayé un fond au Intense, mais c'était pas très bien réussi. Mais c'est pas grave, j'ai eu du fun à l'essayer. Et j'ai fait cette bouteille-là. Je vais la tester mes marqueurs raffinés, puis ils marchent à merveille sur ces pages-là. Fait qu'il faudrait que je revisite celle-là. Tu vois, je l'ai commencé sur ma fête. Et voilà, ça c'est Tales from the Witch's Cottage. Toujours de Hannah Carlson. Ensuite, j'ai le Daydreams. J'ai quelques-uns faits dedans. Mon hibou que j'ai fait à aquarelle. Je suis contente du résultat. De toute façon, je pense que je vais te dire que je suis contente de tous les résultats. C'est rare que tu vas m'entendre dire que j'aime pas quelque chose. Je fais de ça en trio avec José Colorier et CRM 70. Celle-là, je l'ai faite. Ensuite. J'ai fait celui-là. J'aime beaucoup ma ciel. Je suis très fière de ma ciel. J'ai fait mon lapin en chocolat. C'est supposé être un chocolat, tu sais, avec les petits bonbons. Des fleurs en sucre, mais... C'est pas très réussi, mais c'est pas grave, je l'aime pareil. Et j'ai commencé celle-là. J'ai au moins fini les mêmes types de feuilles parce que j'ai rien noté. Fait que au moins c'est ça. Et j'ai fait le champignon en suivant le tuto de Helen Elliston. Puis j'ai plus jamais refait. Ça m'a pris 3 heures faire ce champignon-là. Fait que je fais à ma sauce maintenant. Fait que ça, c'était Daydreams de Hannah Carlson.
Ensuite, il y a le Magical Dawn de Hannah Carlson. J'ai fait quand même pas mal aussi. J'ai fait le pomme en arrière. Le fond, c'est un, mais je suis content avec le pomme. J'ai fait mes coquillages. J'étais tellement contente de mon fond puis les boules. J'adore ça. J'étais très fière de mon fond. Ensuite, j'ai fait ça en duo avec la Dix 66. J'aime bien, mais peut-être le fond, j'aurais pu le mettre une autre couleur, mais c'est pas grave. J'ai fait ça là en trio avec CRM 70 puis José Colorier, si je m'abuse pas. Celle-là, me semble, c'est un challenge pour Pilar Colo. Me semble. Je me souviens pas, mais c'est un beau petit poisson. Ensuite, j'ai celle-là. Ça, je me souviens, je faisais, je pense, pour Colorion ensemble, Magical Dawn. Me semble. Je me souviens pas. Mais j'ai tellement colorié, des fois, on se souvient pas. Ça, c'est commencé. Avec mes Prismacolors, me semble. Eh oui. Les cheveux sont commencés avec les Prismacolors. Puis je sais pas si je vais être capable de le recréer, mais j'ai noté des couleurs similaires. Fait qu'on va voir si ça va faire le même job ou ça va être horrible. Pas de choix, j'ai plus de Prisma. Fait que. J'ai fait ce coquillage-là. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'ai pris des hauts métalliques pour faire les bulles. Puis j'aime ça. Je suis très contente. Ensuite, j'ai fait celle-là pour soutenir Anna Carlson, quand on a su qu'elle avait une tumeur au cerveau. Puis j'aime beaucoup le colo. Je pense que c'est tout. Non, j'ai fait celle-là. Ah oui. Elle était longue. J'étais contente de le finir. Puis si jamais j'ai un autre livre de ça, je le referais pas pareil. Je suis contente. Je l'adore le résultat, mais je le referais pas ce livre-là. Et j'ai fait celui-là. Ça, c'était un premier tentative avec un fond en encre. J'aime ça. Fait que ça, c'est Magical Dawn de Anna Carlson. Ensuite, il y a Jewelry Box. Ça, c'est mon nouveau version. Mon autre était quelque part. C'est pour des tests. J'ai juste une de fête à date. Puis c'est celle-là. Puis j'ai un tutoriel sur ma chaîne comment faire ce fond vieilli-là. Je l'aime bien. Je suis très content avec. Puis j'adore l'image. Je suis fière de la façon que je l'ai colorié. C'est vraiment, vraiment bien. Je suis contente. Donc voilà, ça c'est Jewelry Box d'Anna Carlson. Ensuite, j'ai le Seasons d'Anna Carlson. On dirait, j'aime Anna Carlson. Hein? j'ai fait celui-là. J'aime pas le fond. Qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout réussir, mais j'ai fait celle-là. Pas toutes, c'est des succès. Hein? Ensuite, j'ai fait celle-là, puis je adore celle-là. Je l'ai faite en duo, me semble, avec CRM 70. Puis, c'est la première fois que j'ai tenté de faire du pot vert, puis j'adore ça. Je suis très fière de cette image-là. Si seulement je peux rendre justesse à une autre sorcière comme ça, avec des cheveux verts comme ça. C'est trop beau. Mon araignée que j'ai faite en trio avec José Colorier, puis CRM 70, me semble. Je l'aime, le choix de couleur. Je suis très content. Celle-là, je l'ai faite avec les Gold Faber, je pense, puis je suis contente du résultat. Ensuite, j'ai fait celle-là, c'était pour une affaire d'Harry Potter. C'est des Patronus. Pour Elias Colo, je pense. Je suis pas sûre. Unchained, j'écoutais, elle fait tout le temps des challenges, puis j'ai un blanc en moment, mais moi, j'aime pas. J'aime pas le résultat. J'ai trop mis du brillant, puis j'en ai tellement mis, ça m'a gagné l'autre bord du page. Ça a traversé. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'il aime. Mon mari, il trouve super beau, mais moi, je l'aime pas. Et j'ai testé des matériels, j'ai testé de nouvelles façons de faire, puis c'est ça. J'ai fait celle-là en duo avec quelqu'un sur Facebook. Je voulais essayer de quoi au fond, ça n'a pas marché, fait que je l'ai juste mis vert pour cacher qu'est-ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai fait celui-là.
que j'adore le résultat, j'adore la bouteille. Le blend aurait pu être mieux, mais c'est pas grave, j'aime ça. Et j'ai fait celui-là, il me semble que c'était un bingo colo. Puis c'est la première fois que j'ai tenté un pot gris. Ça va être à revisiter, je suis pas très très content avec le résultat, mais ça aurait pu être payé. Ok, voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Ça, si je me trompe pas, c'était pas Quet Quet 62. Parce qu'elle avait fait un fil rouge dans Seasons aussi, me semble. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux-là. C'est un drôle de choix de couleur, mais j'aime beaucoup. Celle-là, c'était correct jusqu'à temps que j'ai mis le fond. J'aime pas le fond. Pas en tout, mais. C'est pas grave. Et c'est une autre défaite. Celle-là, je les ai faites. C'est la première fois que j'avais testé les polychromos. J'en avais juste eu quelques heures en échange avec une amie, puis je les ai adorées. Ça a pris quand même longtemps avant que j'avais les miennes, mais ça, c'est en mai 2021. J'ai eu les miennes, je pense, en fin mars, début juin, cette année, 2022. Mais c'est pas grave, j'aime le colo, j'aime mon cristal aussi. Ensuite, j'ai fait ça là. Ça, c'était un autre bingo colo de José Colorier. J'ai le don de pogner des doubles pages avec ces bingos. Mais je suis content parce que je veux avancer mes livres. C'est un colo que je n'aurais pas choisi nécessairement par moi-même, mais je suis très content avec le résultat. Donc, merci au bingo de José Colorier. Ensuite, il y a la page de l'envers. Fait que ça, c'est fait. Le petit abbé. Et c'est tout. Ça, c'est Seasons de Anna Carlson. Ensuite, il y a le Summer Nights. Toujours Anna Carlson. Et on va avancer. J'ai fait celui-là. Je pense que c'était pour un challenge cristal de Pilarocolo. Je pense. Ça fait longtemps qu'elle a fait plus de challenge ou que je ne les voyais pas passer. Mais je sais que c'était pour un challenge d'une chaîne YouTube. Ensuite, j'ai fait. Celle-là, j'avais fait en mars 2021. Mais j'avais fait le fond de celui-là en même temps. Fait que ça, je l'avais fait. Et j'ai fini celle-là. Parce que je voulais. C'était la première fois que je contourne autour de quelque chose pour le tournesol. Puis j'adore. Comment que ça c'est, le tournesol? Le résultat, le ciel était beau. J'ai aimé ça. Mais des tournesols, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit j'aime faire ça. Fait que t'es pas surpris. J'ai fait ces fleurs-là. Avec les cristaux. Je trouve que j'aime bien la façon que je fais mes cristaux. Ensuite. Ah oui, j'ai commencé lui. Je vais tasser. J'ai commencé les bouts, puis j'ai comme fait pof, puis j'ai arrêté. Carrément, c'est ça. J'ai pas aimé, j'ai arrêté. Je vais retourner, essayer de le finir un jour. Ça aussi, c'était un test, je voulais faire pour le fond. J'aime pas le fond, mais après que j'ai mis le twill, c'était mieux. Fait que l'araignée, je la trouve pas payée. Fait que c'est ça. Des fois, il faut qu'on fait des tests, puis ça sort pas toujours comme qu'on voit dans la tête. Ensuite, j'ai fait celui-là, la sauterelle. Faudrait bien que j'aille faire la porte. J'aime faire les portes. Et celui-là. Celui-là m'a pris longtemps. Les cheveux m'ont pris une éternité. J'avais mis cinq couleurs par mèche, puis je les ai faites mèche par mèche. Ça m'a marqué parce que ça a pris longtemps, mais je suis content qu'elle ait fini. Puis j'aime comment ça a l'air. Fait que c'est ça qui compte. Fait que voilà, ça c'est Summer Nights de Hannah Carlson. Ensuite, j'ai les Spirit Animals de Hannah Carlson. Ça, c'est un cadeau d'une de mes amies. Merci pour ce livre-là. Je l'adore. On a fait ça en trio avec José Colorier puis Sérum 70. Je regrette d'avoir mis les cornes bleues, mais gars, c'est pas grave. C'est pas grave. Ma pirate, c'est les premiers colos que j'ai fait dans ce livre-là. Puis c'était avec les Prismacolor, je me souviens. Puis je suis toujours aussi fière de ce colo-là.
T'es fait en 2021, mais je suis toujours aussi fière. Ça, c'était un duo pour la madame avec la Dick 66. Puis moi, finalement, j'ai décidé de faire le duo, double page, puis j'adore. J'adore le résultat. Ensuite, il y a... Celui-là, j'ai fait en duo avec la Dick 66. Mais je ne filais pas pour faire la double page. J'ai noté toutes les colos comme ça. Pas les colos, mais les couleurs. Comme ça, je peux transporter les mêmes couleurs sur chaque bord pour que ça fitte ensemble. Ensuite, j'ai fait celui-là. En trio avec Sérum 70 et José Colorier. C'était en décembre l'année passée. C'est correct. De fond, je ne l'aime pas, mais c'est correct. Ensuite, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout pour ce livre-là, à moins que j'ai fait. Ah, c'est tout. Fait que ça, c'est Spirit Animals ou Soulmates d'Anna Carlson. Je te reviens avec le reste des livres. OK. Ça, c'est les derniers 7 livres. Celle-là va être plus dur à montrer parce que c'est quand même assez gros. C'est Château de Hachette et Rose. Je l'ai eu de Noël par mon fils. Puis, c'est dessiné par Aurélia Bertrand. Et j'ai fait ce colo-là. J'ai pas retourné parce que je savais pas comment m'y prendre, mais je pense que je vais faire des fonds à base d'encre de stress. Parce qu'ils sont très gros. Puis je pense que la solution, c'est à base d'encre de stress. Ça a été fait souvent, ce colo-là, hein? Avec Belle. Fait que c'est comme ça que je pense que je vais faire. Comme ça, je peux retourner faire plus de colo parce que c'est quand même un livre magnifique. Le Château de Disney. Ensuite, j'ai les Fairy Celebrations de Clara Markova. Que j'ai quelques images de fête dedans. Ça, c'est un encours qui risque d'être un encours pour longtemps. Je note mes couleurs, puis ça me permet d'y aller faire un petit bout ici, un petit bout par là. Ensuite, j'ai fait celui-là. Mais ça, c'était un duo avec Cendrillon. Si je ne me trompe pas, celui-là. Puis moi, quand je colore, j'ai essayé de faire les deux pages. C'est-à-dire, je me suis dit, ça va être beau quand ça va être fini de regarder toujours chaque deux pages sont finies côte à côte. Fait que le reste est en ordre. Fait que là, j'ai fait celui-là. Ça, c'était mon premier. C'était un duo avec Sérum 70. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'aime pas le fond, mais j'aime le reste. Fait que c'est correct. Ensuite, j'ai fait celui-là. Je sais pas si ça, c'était pas un duo. Peut-être, mais je suis pas sûre. Ça, je suis vraiment pas sûre. Celle-là, je sais que c'est pas. J'aurais aimé ça d'avoir noté le combo pour l'orange, mais... Je n'étais pas. C'est comme le combo bois que je t'en parle, là. C'est celui-là. Cette couleur-là. Je l'adore. Puis je l'ai pas noté. Fait que ça, c'est tout pour mon... Clara Markova, mais... Ce petit cœur-là, je l'ai fait, je te montre de plus près. Mon fils adore des biscuits aux pépites au chocolat, puis c'est ça qui m'a fait penser tout de suite à lui. Fait que je l'ai fait comme ça, pour lui. Fait que ça, c'est Fairy Celebration de Clara Markova. Bientôt, elle va pas être, mais peut-être mon prochain. Elle va être pas le dernier, sur le seul sur ma table étagère. On va voir. Ensuite, j'ai les... Oups. Histoire éternelle, Hachette et Rose, illustrée par... Nathalie Lavaude. Excuse si c'est mardi, hein. Et là-dedans, j'en ai fait quelques-uns. C'est un livre magnifique aussi, mais c'est ça, c'est les tailles. Mais là, avec des trucs que je suis en train de pratiquer, ça va rendre ça plus facile. Mais j'adore. J'adore ce livre-là. Ça, puis les machins vilains. C'est comme ça. J'avais fait le moulin, c'était pour un bingo de José Colorier. Puis j'ai fait un fond d'encre sur l'arbre.
ici en arrière, ici et sur la grosse trompe aussi. Puis je trouve que ça a aidé à aller faire le colo mieux. Ça a été mieux. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, c'était, je pense, mon premier que j'ai fait dans le livre. Parce qu'il me fait penser à le film de Robin des Bois de Disney que j'ai écouté pendant des heures et des heures quand j'étais plus jeune. Ma mère l'avait enregistré de la télé. Puis moi puis ma soeur, on l'écoutait souvent, souvent. Tellement que je peux encore entendre les voix de certains personnages. Ensuite, il y a mon Dumbo, que je suis très fière d'eux d'ailleurs. Et j'ai le Alice, que j'aime aussi, mais j'aime pas les anneaux. Je sais pas qu'est-ce que je pensais à faire ça comme ça, mais c'est fait. Puis c'est correct. Donc voilà, ça c'est Histoire éternelle. Ensuite, j'ai les grands blocs. Grand classique, 60 coloriage à Châté Rose. Je sais pas si j'ai de quoi faire ou non, on va voir. Lui, je pense qu'il n'est pas encore entamé, si je me trompe pas. C'est ça, il n'est pas entamé, lui. Illustré par Alexandre Karim. Fait que ça, c'est grand classique. Acheter rose. Ensuite, il y a le Summertime que lui, je sais qu'il est entamé. C'est dessiné par Jean-Luc Guérin. Et le seul que j'ai fait, c'est lui. Puis un colorillon ensemble sur ma chaîne pour cette image-là. C'était mon premier colorillon ensemble. J'adore le résultat. Je suis très content avec comment ça a sorti. Fait que voilà. Ça, c'est le Summertime Grand Bloc. Le Grand Bloc Summertime. Ensuite, j'ai la Grand Bloc des Fêtes. Illustré par Jean-Luc Guérin. J'ai deux de fêtes dedans. Mais il y en a des belles. Il y a tellement des... Regarde-moi ça. J'ai fait celle-là pour ma fête l'année passée. Pour le mois de ma fête. Je l'adore. Elle est trop cute. Et plus en avant. Je cherche. Peut-être plus en arrière. Je sais c'est quelle. C'est une de Mickey. Puis Goofy. Puis tout ça de Noël. Puis j'avais trouvé ça long à faire. Très très long à faire. Et c'est ça. C'est celui-là. J'aime le résultat, mais c'était long à faire. J'ai pas aimé pas en tout de le faire. Mais voilà. Ça, c'était le grand bloc des fêtes. Ensuite, dans la BFF, illustré par William Ball, j'en ai juste une. Non, deux. J'ai deux faites dedans. J'ai fait celui-là. En duo avec Indra, que je, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais te montrer ça. J'ai fait celle-là avec Indra. Et c'est là que j'ai découvert que mes marqueurs à alcool sont quasiment vides. Fait que qu'est-ce que tu veux? Il va être remplacé mon prochain. Si possible, sinon ça va aller plus loin. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Les aliens de Histoire de jouets. J'aime bien. Je suis content avec le résultat. Fait que ça, c'était le grand bloc BFF. Et le dernier pour cette vidéo-là.
Et ma collection, à part des nouveaux que j'ai commandés qui arrivent. T'sais, on peut pas toujours mettre de côté parce qu'il y a un livre qui va arriver ou quelque chose. Fait que ça, c'est mon dernier que j'ai en ma position à l'heure actuelle de la date du 2 septembre 2022. Fait que ça, c'est le Grand Bloc Magie par Charlotte Menendez ou Mendez. M'excuse si c'est mal dit. J'ai fait cette page-là. Et celui-là. J'adore mon Ilsa. Je suis très content avec. Je te montre juste quelques images. Donc voilà. Ça, c'était ma collection de livres au complet. Merci d'avoir partagé ces 6 vidéos avec moi. Puis regardez ma collection. Puis j'espère que t'aimes ça. Si t'aimes ça, s'il vous plaît, likez. Si t'es pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonne à ma chaîne. Je sors des vidéos quand même assez souvent ou j'assais. À part si je suis malade, mais je te donne les nouvelles si possible. Fait qu'avec ça, moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!